Que ouais, je l'imaginais qu'il fait un ouais, c'est Yo chaud. Azoubé, yo 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 mon ami, comment ça va Azoubé? En fait le groupe est pas mauvais, mais comme c'est Dijon, c'est un peu plus compliqué. Ouais voilà, parce Bah, que c'est toujours l'effectif, il est compliqué pas si pourri que ça Bilbao, quand même. Fenerbahçe c'est toujours Ah, là, tu aurais compliqué. encore l'OM, ce serait simple. Enfin, à peu près. Eh bah Oh, si j'avais l'OM là je viserais la première place, en plus avec le ouais, mais team là, que j'ai Dijon, c'est un peu monté. plus compliqué. Ah là, ça va être chaud, tu vois, première année en Europe pour Dijon, ils ont pas Sincèrement, l'habitude, tu vois. tu peux viser la deuxième. Ouais, bah J'espère. j'espère, je vais tout faire pour. Faut que j'essaye de déjà de Braga faire deux wins et ensuite voler un peu Bilbao, Contre Fenerbahçe, ça va être Braga, cool. ce sera des trois, Braga sera un peu plus simple. Ah, j'espère, j'espère. Ouais. Et c'est Nickel vrai que je te Azoubé, nickel, le. je te remercie mon ami. Cette Super, super, partie, Azoubé. elle est super intéressante. Bah je trouve aussi, c'est pour ça, j'aimerais bien qu'on la pousse le plus possible. Le plus loin. Ah oui, c'est Ouais. clair. Et voir Franchement. justement si on peut y arriver à faire monter la L1, tu vois, au COEF et tout là. Ouais, voir si on peut faire monter la L1 et voir si on peut, sur le long terme, emmener Arnaud entraîner Saint-Étienne. Ça, c'est. Non, ça c'est impossible, oui. Je crois que. Non, c'est mort là. Là tu Non, c'est mort, hein, c'est là mort. tu vas dans des sphères Je qui feraient partie préférerais d'une autre partir au dimension, chômage. tu vois. C'est la théorie des cordes, éventuellement dans un autre univers. Why not? Éventuellement. Why not? Mais là Tu non. vois, on lui propose Saint-Étienne ou la DK Ouzbek. Je pense que la DK Ouzbek serait content de l'avoir. Ouais, je pense. C'est ça. Et yo Pum Pum, comment ça va Pum Pum? Salut. Ouais, de suspendre le huis clos, ouais, c'est j'ai vu Azoubé, effectivement, c'est une bonne nouvelle, effectivement. Et viva Ouais, quand même. Diron! C'est pas Chiron, c'est Diron! C'est pas très loin. Oh, c'est pas très loin. Et yo Dis donc, Burten! Et ouais! Diron, à une T'as une note près. sacrée géographie quand même, hein? Non, quand je dis pas très loin, ça par rapport à la prononciation. Eh À une oui, note près, ouais, c'est pas d'accord, très je loin. préfère. Je préfère. Et Marseille 3-0, les gars. Vous voyez, Ça j'ai va, laissé quelque chose quand 3-18 même. contre Hein. Lyon. Ça rigole pas, Van là. den Beek. T'as fait du bon. C'est un bon joueur, Van den Beek. Ouais, je l'ai pas testé dans ce FM. J'ai parti avec la chatte, franchement, j'ai mis un box-to-box très bon. Qu'est-ce qu'on a? Et Saint-Etienne qui perdent. Ok, Valenciennes. Okay. Et Lyon-Saint-Etienne en relégation. Aïe, aïe, aïe. Oula. Ouh, ça sent pas bon. Là, C'est tu ta as le ville. CM de Dijon sur Twitter qui met ça donne envie de découvrir l'Europe de cette Europa League des chapeaux l'OM. Ouais. Vu que Dijon, ils ne Eh sont pas très ben. très loin des places européennes. Je vais essayer de leur faire découvrir là, pendant cette année. On va essayer. Bah, franchement, bah, ça, ils ont déjà découvert là, mais bon. Bah Plus que là, on va ça. voir, mais on va jouer le premier match. Bah, Et yo papy! Comment ça va, papy? le retour des papilles. Est-ce que t'as vu la belle Zizi. victoire de Pino? Zizi tout flasque. Et yo pa Ah oui, la belle voix. wadiz. À travers Dijon en vendant Tavares. Et je construis sur quelque chose sur le long terme, Pawa. Tavares, c'est le passé. Ça y est, maintenant faut avancer, les gars. Faites Bah, je crois place. qu'ils t'en veulent. Ils t'en veulent pour Tavares, hein, depuis hier soir. Ouais, Hein. Ouais, j'ai quoi vu que. côté Dijonais, mais je savais pas qu'il y avait un tel. Tu vois. J'ai vu qu'il avait fait plusieurs saisons au club, donc je me doute que ça doit être une figure Attendez, t'as emblématique. vendu Messi du Barça, quoi. Ouais, mais Bah, bon, ça, voilà, quoi, les gars. c'est un joueur qui vient de nulle part en plus. Hein. C'est sérieux. Hein. Attends, Tavares, Jura, t'as fait quoi ça? Il venait d'où Tavares avant lui? Je vous ai pas entendu du Je tout, sais c'est plus. qui vient? C'est un mec qui était. Qui avait aucun rapport avec le foot, ils l'ont pris et tiens, il vient jouer, c'est un peu ça. Hein. Ah ouais? Ah oui, c'est complètement ça, regarde, tu vois. Ils vont peut-être confirmer dans le chat, mais c'est un peu ça. Attends, fais T'inquiète, il va voir. venir après, Je vais t'inquiète. regarder son historique. Attends, à Tu vois, Tavares. son historique à lui, tu vois, c'est. Ah ouais, dis, il me tue. Tavares, c'est le passé, le présent, le futur et au-delà. Ah non, tu vois, voilà. Non, Ah, c'est. pas ouais. Pas ouais, tu me tues. Et Gomez, Regarde non, son. Gomez, Comme c'est il est pas en grave. GAV, Gomez. T'inquiète. Ouais. Et vamos, Allez, Osvaldo, vamos, on est là. Comment ça va, Osvaldo? Osaldo. Il était à Bourg-en-Bresse, ouais. Ok, il jouait en CFA 2. Mais En regarde, il était CFA. gardien, je crois, un truc comme ça. Ouais, il était gardien. Il était gardien à un moment, ils lui ont dit Mais de non, il passer mettait des devant. golassos, il pouvait pas être gardien. Non, Ah, tu regarde, sais à qu'il y un a des gardiens moment. qui mettent des golassos, Non, hein. Ouais, non, mais d'accord, mais non. là, c'est pas À des un stades moment dans sa de carrière, gardien. il était gardien, ils lui ont dit de se fou... ils lui ont mis, bah tiens, tu vas aller devant. Et quand ils l'ont mis devant, mais il s'est mis à cartonner le mec. Sais pas, mettons, il a commencé en 2009, donc ça fait il y a 9 ans. Non, non, mais Du ce coup, à mec, il peut 20 jouer des ans. fois. Tu m'étonnes. Attends, mais Peut-être en qu'il y a plus, quelqu'un il qui est a confiance en lui. international capverdien et tout, t'es fou. Non, mais je dis pas le contraire, mais j'ai entendu S'il cette avait histoire. joué gardien, il lui aurait mis le poste ici. Et Ah, les merci pédigrés. Théo, merci pour le resub.
Sixième Bon, mois et... consécutif. Oh lolo. GG l'OM et la SNCF. Aïe Les aïe gens qui aïe. voulaient pas que Tavares y parle, y parte. Expliquer son suivi à Tavares, il me semble qu'il était gardien, mais c'est, j'ai déjà entendu ce truc-là. Mais bon, alors peut-être que Je sais c'était pas, William. Je suis désolé là de dans quel âge? FM, en tout cas pour l'instant ça ne Quoi, quoi, ne va quand pas t'étais dans ton petit, sens. quand t'étais jeune, tu devais débuter gardien. Quand t'étais jeune. Ouais, mais Merci je crois. Théo pour ton soutien, Je crois toujours pas présent non mon plus. ami, ça fait Mais après, il est plaisir. passé à ta gamme, ouais. Moïse Kean, ouais. Bon, c'est pas le même parcours que Bamou, hein. C'est pas le même niveau non plus, hein. Ah, c'est pas le même niveau que Rami non plus, hein. Le mec il Ah travaille à non. l'Amérique là. C'est clair. Ah mais hey, le seul qui avait démarré, c'était que j'aimais bien, c'était comment il s'appelle là? Qui a arrêté sa carrière pour un problème cardiaque il y a un paquet de temps là. Steve Savidan. Il était Ouais, joueur, tu vois comme quoi. il était bon celui-là aussi comme joueur, À franchement. lui il était excellent. Ah non, lui il était excellent par contre. Savidan, ouais, il en Franchement. avait mis des golassos, lui, je m'en Ah, là, il rappelle. est des beaux en plus. Hein. Je me rappelle qu'il avait le seul but qu'il avait une équipe de France, je crois que c'était un ciseau ou un truc dans le genre, si je me souviens bien. Ou je me suis trompé un truc. Après, il a eu C'est son pas problème impossible, cardiaque. c'est pas impossible, hein, ça me parle un peu. Il a eu son problème cardiaque pile poil au moment où il pouvait bien intégrer l'équipe de France, je crois, en plus. Ouais, il a signé à Monaco en plus. C'est ça, exactement. Ah, dommage, il était bon comme attaquant, lui. Ah ouais, non, mais il y avait du bon. Ah, putain. Allez, on va partir comme ça pour le premier match de la soirée à Nantes. Let's go. Il n'a pas marqué en équipe de France, il a failli marquer. Eh, t'as vu Osvaldo, je te l'avais dit, je te l'avais dit Osvaldo. J'avais annoncé. Vous voulez pas m'écouter, les gars. J'avais annoncé Marseille. Ah ouais. Ouais, Théo, t'inquiète, la CTF, c'est toujours comme ça. Ah ouais. Et Marseille. Ah, mais merci, Jérôme Risto. Martin. Le mec arrive pas à Merci. dormir. Ah, il y a Martine qui est revenue là, non? Ouais, il est revenu. Arrive pas à Insomniaque, dormir. Martine. Merci pour le follow, Risto. Bienvenue parmi nous, mon ami. Ah merde, t'es jaloux, t'as lancé un live. Ah, on est en live là, Martine. Là, on a un live Ça là. rigole Oups. pas. Ouais, il l'avait dit tout à l'heure qu'il avait juste Eh ouais. mangé une pâte. Je savais pas que t'avais Eh relancé. ouais. Non, mais voilà quoi. Salut Bon. moustache. Si, si, Marseille. bref. Attends, j'étais à la télé parce que. Eh Mal bon. vibré, c'est Hey pas tout yo seul. Rasta, comment ça va Rasta? Est-ce que t'as la forme? Et Pum Pum, le copier-coller qui a raté. C'est ma ville. Ouais, ça va nickel, hein, Pum Pum, je te remercie. Non, non, t'inquiète, je vois pas ton copier-coller. Ah, Rulo Tavares recruté par le club, dont le gardien est blessé alors qu'il joue à la pétanque. Après une année au club, l'attaquant de l'équipe se blesse à son tour et Tavares prend sa place. Ouais, pas Voilà. mal. Et Pas après, le mal mec, comme il a fait que le histoire. planter et Borombra s'est Ah, qui? arrivé. Pas mal, pas mal. Il dit non. Ouais, c'est sympa ça. Ah, qui? Tiens, tu regardes en privé, qu'est-ce que je t'ai dit? Ouais. Et bonsoir, Risto, bonsoir. Ah, Mets-toi effectivement, c'est bien. pas mal. On est là pour se détendre et essayer de porter haut les couleurs de Dijon. On va tout faire pour en tout cas. Ah merde, c'est plus à Marseille, merde. Ouais, c'est la saison 2, Martine. Oh, tu suis Non, pas bah les écoute. séries, toi, t'es. Au pire, si jamais ça marche pas avec Dijon, tu peux toujours faire de la moutarde. Ouais, y a tout. On pourra Tu se peux changer de reconvertir. boulot. Non, mais J'ai après. assisté au mariage de mon cousin à l'hôtel de ville de Dijon. Très, très sympa. T'es jamais allé à Dijon, ouais. Oh, Bouchilia, qu'est-ce qui me croque, mais c'est pas possible. Oh yo yo. Effectivement. Sur le poteau, le Risto. mec. En fait, tu vois, la carrière, je fais un peu le tour de ma famille, tu vois. Je suis passé par Marseille parce que c'est où il y en a le plus. Maintenant, je passe à Dijon voir mon cousin, tu vois, tranquille, on se balade comme C'est. ça. Dis-moi où t'as de la famille en France, comme ça je t'envoie là-bas. Vas-y, on verra, je te dirai en privé. Y a pas de souci. Est-ce que t'as de la famille sur Paris? J'avais. Mais ils ont Ah, mais y a... rejoint le sud, le clan sudiste. Eh, c'est pas Jean-Pierre Pernaut, c'est Jean-Pierre Zarnaud là. C'est ça, les gars.
Et tout à l'heure, nous irons à la rencontre d'une agricultrice. Pas très loin de Guéret. Quoi? Ah, putain. Allez là, on va essayer d'en La mettre un confrérie de trois. la saucisse en fin fond de... Magnifique. Ouais, j'ai vu Gungar, j'ai vu. Ça va nickel, Rasta, je te remercie. Et GG pour l'OM, hein, les gars, franchement, ça fait plaisir. Merci, merci, Ah, merci Gengar, il aussi vit en avec Brésil. plaisir, Arnaud, tu vois. T'inquiète. C'est tout. Honnêtement, j'aurais pas eu ce match. Honnêtement, Pas ouais, il dit. Ouais, J'étais dis, fais sceptique. gaffe, il y a des timeouts qui peuvent tomber de façon aléatoire, mais Me de tue. façon très rapide. Et c'est comme les Heureusement. loots, tu vois, t'ouvres un coffre, hop, un petit timeout. Heureusement. Mais Marseille, c'est la vie, c'est tout. Marseille, ok. Non, honnêtement, si pour moi, il n'y Vous aurait pas d'accord, eu ok. 63 000 personnes, Marseille, honnêtement, ils n'auraient pas passé. Pour moi, Marseille, il n'y aurait pas eu autant les supporters, Marseille ne serait pas passé. Voilà. Bah ça sert à ça aussi hein, le public. Hein. Ben oui. Il faut les gars. C'est sûr. C'est demain ça le tirage. Ouais. Ouais, je crois. Je vais flipper par le tirage, quoi. Il reste qui du coup? Excusez-moi parce que moi j'ai pas suivi. Arsenal. Ouais. Il reste Arsenal. Arsenal, Atlético, Salzbourg, OM. Ah ouais. D'accord. Eh Après. ben, ça peut faire une belle finale en tout cas. Moi je dis un petit Marseille-Arsenal. Marseille gagne 4-0. Voilà. Ouais, peut-être pas non plus. On a eu du mal à Déjà, taper joue contre Leipzig, putain. Salzbourg et qualifie-toi contre Salzbourg déjà. Pour Bah, déjà, moi. Ah, attends. moi je joue contre Salzbourg pour qu'on se venge de la phase de poule, tu vois. Ouais. J'ai rien dit en fait. Je veux pas affronter Arsenal. Il y a Marseille, ils ont eu zéro victoire. Ils ont eu qu'un match nul. Ouais. J'avais Bah, dans les oublié ça. Contra-Nico, c'est pas mieux non plus. Hein. Ah bon? Bah, ouais. Il jouait pas encore là-bas, Griezmann, mais je crois que. Ouais. Attends, c'était... Je crois qu'ils ont Bah déjà joué. ouais. Donc... Ouais, donc on avait perdu 2-1, on a fait 0-0 chez eux, Ah mais chez nous, et 2-1 j'ai chez eux. toujours cru que Marseille, ils avaient déjà affronté. Ils avaient déjà rencontré, c'est en Ligue des Champions en 2008. Bah ouais, mais moi, non, mais moi je pensais que c'était plus récemment qu'ils les avaient affrontés. Ah non, non, il y a de la 10 piges. Là, je viens de regarder, je viens de voir les stats. Demain, Moi, tirage je à me souviens parce qu'il y avait 14h. un supporter, des supporters marseillais qui se sont fait tabasser par les flics espagnols parce que, Ouais. à cause d'une banderole. Yo, Ibu. Yo, Ibu, comment ça va? Salut, salut mon petit hibou. Est-ce que t'as la forme, mon ami? C'est chouette que l'hibou est là. Oh, Gengar, ce que tu viens de mettre sur Twitter, c'est magnifique. Bon, ma blague de merde est tombée à l'eau. Ouais, c'est malencontreux. Peut pas tout avoir, Eric. Ouais, je sais. Des fois, je suis drôle. Hein. Pas toujours, mais des fois. Des fois, ça passe à côté. En plus, là, je suis en train de me concentrer Des sur les fois, oui. Dijonnais, là. Très souvent, ça C'est pas passe à côté. évident. Très souvent, ça passe à côté. 70e, il est KO, lui. Ah, oh, j'ai un pote à moi qui était au VEL. Je viens de voir ça sur Twitter. J'ai le seum. Allez. Et bonsoir, Ibou. Est-ce que t'as la forme, mon ami? Yo, yo, yo. Et yo, Raven. Oui, Raven. Non, il n'y a pas Raven. C'est Martin et Araki, Ibou. Tirage Salut, demain 13h, ambiance de voilà. ouf, pas mieux, ouais. Fail de la Salut, radio. encore. Désolé. Il a picolé, Ibou. Il y a Swing qui te demande pour PCM. Eh bien, écoute, belle soirée sur T'as eu les PCM. résultats ou pas? Et non, j'attends encore. Oula. T'as fait 5, 4 et premier. C'est ça. Non, non, pas mal, pas mal. Donc on va voir. Est-ce que tu vas Hein. y a Merde. SoFoot qui me tue aussi. Est-ce que vous réalisez qu'après tous ces matchs européens incroyables, demain on va se coltiner Angers-Nice en Ligue 1? Ah non! Eh, à ce qui paraît, je viens de voir que Twitter est en PLS à cause des tweets de l'Olympique de Marseille.
Ah Non, bon? je sais pas. Non, mais je sais pas. Carrément. C'est pas... Non, je sais pas parce que, y a, bah, parce que je vois que plein de comptes sur Twitter qui sont fans de l'OM et tout. Twitter, PLS à cause de nous. Même si, bah, en même temps, tu regardes les top tendances. Pour la top tendance, c'est bah, c'est Marseille. Donc, voilà. Bref. Voilà. Ah, Igbo, franchement, tu m'as vexé. Hein. Rami, déclaration de Rami. Les médecins m'ont dit que je serai de retour face à Lille. La science dit que je serai de retour à Lille, mais moi, j'ai la science, je la nique. Attends, t'as vu ça où? Sur Twitter, c'est Footballog qui a tweeté ça. Une déclaration de Rami. Football quoi? Footballog. Ah, Attends, je écrit, te c'est passe. toi. Ouais, envoie-moi le lien, Pierre. Ouais, attends, je vais te renvoyer ça Ah, directement. il parle enfin de Rudy Garcia, quoi. Hop là. Marseille. Mmh. Eh, franchement, Wagengar, je sais pas si t'es là, mais ton tweet, respect. Très, Il est très là, beau tweet. Gengar, t'inquiète. Très, très beau tweet. Gengar, il est toujours là, il est toujours présent. Ah non! Rami, il a tué. Ah, ma petite Karine. Ah, on va faire un match nul là contre Dijon, je crois. Non, content de te dire. Es perturbé Tu pour ton m'as. Ouais, garde. non, ouais, je suis perturbé, les gars. Contre Nantes, ouais. À 10 contre 11, on finit là, ça va être chaud. Vas-y, si je gagne le prochain enchère, je t'envoie Hugo, une enfant. merde. À Nantes? Ouais, c'est ça. Ouais, bah s'ils Le sont prochain toujours en enchère. L1, parce que. Ouais, C'est bon, on pas fait verra. exprès pour le Ozern, je vais partager le lien et. Ah, les chiffres. Allez, allez, oui. Oh lolo, qu'est-ce qu'il a loupé, Konechny. T'as Moïskine en plus. Eh ouais, les gars, Moiskin, à Dijon, les gars. Oh putain, mais c'est quoi? Comment il a raté ça? Eh ouais. Le hold-up parfait, on a loupé là. On n'est pas Ah passé franchement, loin. à la 80... ouais, à la 93e, c'était mort pour Nantes. Allez, peut-être, peut-être. Oui, C'est qui oui. Koscielny là? Koscielny? C'est quoi ce nom? Bon, les armes, moi je vais déco. Ça marche, Bonne Martine. Passe une bonne nuit. nuit. Bonne nuit à tout le monde. Et Repose-toi bonne bien. nuit. Bonne nuit, frérot. Merci. C'est Konechny, un Argentin. Koscielny, d'accord. Bah, sûrement, j'arrive pas à le prononcer. Et bonne nuit, frérot. Bonne nuit, À la Martine. prochaine. J'ai Bisous. vu, il a posté il y a 8 minutes le groupe D. Il a le classement du groupe D, lui. Moi, c'est le groupe I, moi j'attends. Ah, c'est Il y a bizarre. combien de groupes en fait? Une dizaine, je crois. D'accord. Genre quatrième de Putain. la poule? Comment ça se fait? Je sais pas. Ah donc, tu passes pas? Non, Salut, je passe Steve! pas, ouais. Je passe pas, parce que du coup, le premier, il a 161, 140, 133. Moi, je suis à 116. Papy, on a l'équipe réservée d'un magasin qui s'appelle Papel. Ok. Bon, tu t'es fait couillonner quelque part. Non, peut-être pas, ou je sais pas, faudrait que. De toute façon, j'ai fait les screens, donc on peut refaire les calculs de points après. Hein. Il y a tout, Ah il y a oui. le replay et tout, donc faudrait peut-être regarder, mais je pense que ça devrait être bon, puisqu'ils doivent exporter les résultats directement via un fichier du jeu. Donc en théorie, bon, ben, mais c'est serré, tu vois, ça se joue à pas grand-chose. Hein. Mais on termine quatrième. Mais bon, bonne soirée quand même, je pense. Ouais, ça va, mais On s'est bon. pas fait. Parce que comme je vous ai dit, hein, c'est parmi les meilleurs en Europe, ceux-ci qui étaient dans la poule. Hein. Là, c'était peut-être la Bon, plus ça grosse va. poule de la soirée. Et du coup, c'était tendu. Et de voir qu'au final, il n'y a qu'une vingtaine de points qui séparent le premier du cinquième, ça veut dire que c'était vachement homogène. Et on n'a pas été distancé, on n'a pas fait d'erreurs dramatiques. On était à chaque fois dans les 5 derniers hein, de l'étape. Donc, non, ça reste satisfaisant. Et on a gagné une étape au final. L'Alpe d'Huez en plus, quand même. Pinot sur l'Alpe d'Huez. Donc, ça reste sympa. Yo, c'est parti. Je viens de voir un truc. D'après des médias allemands,
Ouais. Le prochain entraîneur du Bayern, ce serait Niko Kovac, actuel coach de Francfort. Ok. Je ne sais pas Et comment yo il fait Seb. Francfort ou autre, mais. Yo yo yo, comment ça va Seb? Yo Steve, bonsoir les amis. Oh, Comment allez-vous? salut Seb. Ah oui, Dungar, il dit que ça dépend aussi des coureurs que tu mets dans le top 20. Non, dans les Mais on étapes, a aussi. c'était que le top 5. Je l'ai mis sur mon tweet. Vous aviez le calcul des points. Je vais le reprendre. Comment étaient calculés les points? Merde. Alors, pour l'étape, c'était les 5 premiers coureurs qui marquaient des points. Donc 25 points pour le premier de l'étape, 18 le deuxième, 10 le troisième, 5 et 1. Ça, c'est les 5 premiers pour l'étape. Après, tu as le classement général à la fin du tour, où j'ai fini troisième. Donc, le premier, c'est 100 points, le deuxième, 70, 50, le troisième, 35, 25, 18, 10, 5, 2, 1. Les 10 premiers du classement général. Et après, il y a le classement du sprint et le classement de la montagne générale. Le premier, c'est 40 pour le général. 25, 15, 10, 5 pour la montagne. Et pour les sprints, c'était 50, 30, 20, 10 et 5. Voilà. Je ne peux pas inscrire tout le monde là. Donc moi j'ai fait 3e du classement général, ça fait 50, j'ai gagné une étape, ça fait 25, Fais donc au gaffe, moins t'as Yambéré qui est 115. pas qualifié. C'est 5 et 4. J'ai fait 100 avec le classement de la montagne. Et là ça me compte pas d'autres points, genre. Parce que j'ai fait 5 et 4 en étape. C'est ça. C'est ça. Ça fait 6 Changer de ce points. que tu m'as dit, ouais. Donc, je vous ai dit ça, ça fait 50, 75, ça fait 100. Après, ça fait 106. Et je crois 5. J'ai fait combien au classement du sprint, vous vous rappelez ou pas? Général. Non, je rappelle qu'au classement général, tu as fait troisième, mais après au sprint, je n'ai pas fait gaffe. Ah ouais, du coup c'est dans un Roubaix, autre. Gallinger, Thibaut Courtois au Enfin, PSG. ouais, il y a quelques semaines, Thibaut Courtois, il a dit qu'il voulait pas partir de Chelsea, donc Maintenant c'est c'est l'inverse. pas Il vraiment ce déclare maintenant. C'est la qui montagne est qui a vrai ou fait pas. deuxième. C'est ce qu'il déclare maintenant. Voilà, mais après, il dit. Au sprint, j'ai fait quatrième. Ouais, je me manque des Donc, points. C'est pas moi, à possible. cette période de l'année, je fais pas attention très attention aux déclarations parce que il suffit que le club fasse perdre des places au classement, puis l'autre il change d'avis direct. Il te manque peut-être des points, mais est-ce que ça peut t'emmener sur 110. la troisième place? Attends, attends, faut que je réfléchisse 2 secondes, les amis. Bah oui, parce que forcément, c'est serré. Donc 50 et 25. Ok. Après, ça fait 75. 80, 81. Ok, ça c'est juste pour les classements de chaque étape. 81 points. Ah, tu m'étonnes, Seb. Non, plus le général. T'as eu chaud. 81 plus 25. Ça fait 106. Plus 10, ça fait 116. Compte peut-être 116. pas le sprint. 116. Et je vous ai annoncé combien de points qu'ils les avaient mis dans le Discord? C'est ça, c'est 116. 116, ouais, bah non, c'est ça. Non, non, c'est ça. Ok. C'est ça. Mais c'est super chaud, hein. C'est super chaud. Franchement, il y avait du level. Et le Raoul, ben le Raoul, il finit quand même derrière moi, le Raoul, qui me dit il allait gagner. Il finit Ça, derrière. tu l'as en travers, le mec. Mais en même temps, il t'envoie un Il m'envoie message. MP, il me dit tu vas. Il me fait c'est toi le streamer ce soir? Je fais ouais c'est moi. Il me dit ah bah comme ça tu vas pouvoir streamer une grande victoire de Raoul. D'accord. Pour ça, il faut jamais parler avant. Il n'y a pas de souci Raoul. Fais-nous rêver.
Je peux pas mettre tout le monde là. Là, comme je te dis, t'as Yamberé qui joue, qui est pas qualifié. Et ouais, j'ai vu, j'ai vu. Alès Mateyou. C'est Résigno, il faudrait que je l'enlève là, je pense. Et là, je peux mettre lui, par exemple. Ok. Et ben, on Bon, va faire ça. messieurs, demain, je me lève tôt. Et là, par contre, je suis en week-end, j'ai samedi et lundi. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Ça marche, Bonne merci soirée à vous. William. Passe une bonne soirée Merci. également, une bonne nuit. Ciao, William. Merci beaucoup. Repose-toi bien et Bon encore week-end. merci hein, de m'accompagner à chaque fois sur le PCM. Ça fait Oh, il plaisir. n'y a pas de quoi. Eh, mais c'est un plaisir. Eh bah C'est c'est un cool, plaisir. c'est cool. Bah il y a encore pas mal de soirées PCM Coupe du Monde hein, de prévu donc. Si t'es Ah, bah, là. quelque part, il est chaud là. Non, Ah mais c'est là en plus agréable avec ouais. Araki et Martine. C'est cool. C'est cool. Bon bah ça fait plaisir. Ouais. C'est sympa. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci, c'est Ciao, William. gentil. À toi aussi. Allez, ciao. Ciao. Et s'il y avait René? Non, Résigno plutôt. Attends. Ok. Résigno, ouais, il était pas content de pas faire partie de l'Europa, effectivement. Les Ah, joueurs mécontents en plus. Ok. ouais. Vous avez traité Adam Lang? Ce qui est Adam Lang? C'est un de tes défenseurs, non? Ok, il Le y a un prochain mec en rouge. réserve. Je l'avais même pas vu lui. International hongrois, je crois. Effectivement. Il a pas l'air dégueulasse. Il peut éventuellement rendre des services, mais c'est surtout que je l'aurais mis en vente pour récupérer de l'argent si je l'avais vu plus tôt. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Ma vie, comme étant en réserve, t'as pas fait gaffe pour le. Pour l'enregistrement? Ouais, je pense. Bah, essaie Manque de de cliquer sur lui pour voir ce qu'il a. professionnalisme. Estime a été traité de manière injuste. Ok. Leader d'équipe, lui? Club depuis un certain temps. Joueur établi de l'effectif. Râle. Pas retenu pour disputer la Liga Europa. C'est ça. D'accord. Voilà. Voilà, on va faire comme ça. Et salut Mulvrock, yo, comment ça va Mulvrock? Salut. Et oui, quel match de l'OM, effectivement. Très très grosse remontada. Enfin, c'était pas une remontada où il y avait un gros écart, mais C'est il ça. fallait remonter et passer devant, faire l'écart, donc c'est bien. Surtout qu'on s'est pris un but dès la première minute. Et yo, hein, c'est Arsenal. Ouais, t'as tremblé. Devant Arsenal? Ah ouais. Ouais, tu m'étonnes. Ah, c'est normal en tant que fan des Gunners. Nickel Mulvrox, mais nickel, nickel, je te remercie. Alors, on est à la trêve internationale là. 10 jours avant le prochain match, on recevra Metz. J'espère que ça va aller mieux au niveau de la cohésion. Ils travaillent toujours là ou pas? Non, là, c'est sur la tactique. Ok. Précaire, atmosphère, ok. Il n'y a pas une super ambiance à Dijon, les gars. On risque d'avoir quelques soucis. Bon, pour le niveau de cohésion, c'est un peu normal. Ouais. Mais du coup, dans l'ambiance aussi, pour l'instant, c'est Bah, mitigé. si tu commences à gagner des matchs, ça va venir tout seul. Et j'espère. Bien D'ailleurs, sûr. tu leur as mis quoi comme entraînement?
Là, c'est les adjoints qui gèrent, les entraînements généraux, les D'accord. entraînements indiv. Ok. Comme je reste qu'un an, dans tous les cas. Putain, Luis Gustavo ce soir, c'est un tueur. Bah... 33 ballons touchés, 100% de duels gagnés, 100% de passes réussies. Et vous l'avez fait venir un peu pour ça, j'ai envie de dire. Hein. Tu m'étonnes. Surtout qu'il joue défenseur central en plus. Et ouais, Enfin, non, mais joueur. c'est pour l'expérience. Tu vois, le mec, il a l'expérience de la Bundes, des matchs européens aussi Ça. de Mais ses... je crois que tu as été champion d'Europe avec Bayern. Tu as gagné la Ligue des Champions avec eux. Ouais, c'est possible, ouais. Si. Ouais. Non, non, mais c'est clair. Donc, il est rodé, tu vois, le mec. Ouais, tu mets l'international brésilien aussi, même s'il n'y est plus en ce moment. Exact. Donc, c'était pour Et son Camara, il expérience et m'étonne. tout. Camara, Boubacar? Ouais. Parce que IRL, au tu début de parles? la Ligue Europa, il jouait milieu défensif. Ouais. Ça allait, mais là, défenseur central. Bah, comme dans FM, il est DC, hein. Il est pas Ouais, c'est AMC. ça. Et En fait, enfin, on moi, voit pas t'avais sur vu la FM. première année, je lui ai donné sa chance. Ça s'est Ah super bien oui. passé. Ouais. En vrai, son vrai poste, c'est milieu défensif. Mais bon. Ah, il y a notre jeune Norvégien qui vient d'obtenir sa première sélection internationale à 18 ans. Lui, il est chaud, lui, hein. Bah, par contre, malheureusement, je pense qu'il restera pas longtemps à Dijon. Une fois qu'on y Ouais, son niveau est de... on sera plus là, mais il est chaud. Ça va faire une Oh, belle c'est tout plus-value, bien. je pense. Oui, papy, t'inquiète. Bon, si c'est Atletico, je suis content quand même, moi, de toute façon. Ça fera un beau match quand même au Vélodrome encore. En C'est même temps, on ça. croise de se faire défoncer à... chez eux, mais C'est bon. Et ça. encore. Et Yomiyo, yo, comment ça va, Miyok? Par contre, j'ai des gros drops de FPS là. T'as le boulet que je suis, je viens de comprendre pourquoi on m'entendait mal au micro. Eh ouais, t'as vu? Ah, ça va tout de suite mieux là, Parce qu'en fait, le micro, j'ai envie de le baisser. Raki. Ah putain, là je t'entends cher mieux. Ah. Et vamos, dudes, vamos. GG pour les Marseillais, dudes, GG. Belle victoire. Salut Dutz, salut Mihawk, salut Antoine. Eh bien sûr, Mio, bien sûr. Bien sûr. Ça va nickel. En plus, on a fait une belle Coupe du Monde tout à l'heure sur PCM. Donc, ça va nickel. Disons qu'avec la Coupe du Monde PCM, ça a bien commencé la soirée. Ouais, franchement. Nickel. Demain, le tirage, Mulvrox. Demain. T'as raté un match comme ça pour PCM, Cogno. Ouais, mais t'as vu, franchement, d'être, je fais la Coupe du Monde, tu vois. J'essaye de porter les couleurs de la France. De représenter, là, avec les Espagnols qui m'envoient en MPD. On va te manger et tout, là. J'essaye de représenter, tu vois. Obligé. En plus, c'était pas mal puisqu'on a pris une étape avec Thibaut Pinot au sommet de l'Alpe d'Huez. Donc c'est pour le coup, le clin d'œil est sympa. Mais je regarderai, t'inquiète, là, quand je couperai le live tout à l'heure, je vais regarder un peu ce qui s'est passé Ouais, les gars, les ce soir. DC de formation, mais lui, il préfère jouer milieu défensif. C'est ce qu'il dit. Après, on n'est pas vraiment meilleur là où on veut jouer aussi. Ça vaut pas le match de paillettes. Je vais regarder, tonton, t'inquiète. Je vais regarder. Putain, dommage que le but qu'il a mis là au départ, le premier but qu'il a mis, enfin refusé, Ouais. il a mis une frappe dans la lucarne du gauche. Oh, magnifique. Ah, faut que je voie ça. Et Faut par que je contre, but voie, faut que je refusé. voie. Oui, Mio, c'est ça. Bon, quel que soit le poste, il est bon. Au fait, on est jeudi soir. C'est ça. Demain soir, les gars, je pense que je peux commencer un peu à faire monter la moutarde. Demain soir, je sais pas si on livrera sur Dijon. On verra. En début de soirée, donc sur l'horaire normal de début de live, donc aux alentours des 21h30. On sera en live, mais pas sur ma chaîne. Voilà. Oh. Pour l'instant, je vous donne que ça comme info. Suspense. Voilà. Intéressant tout ça. Donc, on fera un petit live sur une autre chaîne.
Le signe qui fait je suis pas là, ça tombe bien. C'est pas grave, on n'a pas besoin de Pas de soucis, vous t'inquiète. Bonne On nuit à tient la toi. baraque. Dors bien. Et merci, vous passe une bonne nuit. Repose-toi bien. C'est gentil d'être passé, même si c'était pas longtemps, t'inquiète. Ouais. Il n'y a pas de soucis, Bou. À chaque fois que tu passes, ça fait plaisir. Est-ce que tu seras solo? Si on part du principe que je live pas sur ma chaîne. C'est non déjà. Il me faut des identifiants d'une autre chaîne. Donc, probablement que je ne serai pas seul. Déjà, il sera pas avec moi. Nouveau teasing. C'est ça. C'est ça, Hibou. On fait monter les enchères, on fait monter la sauce, tout ce que tu veux. Bon, si vous voulez savoir ce qu'il fait demain, 10 000 pesos, les gars. On veut voir les pecs, tiens, tu vois mes pecs synthétiques. 76, oh, c'est ça mes pecs. Aïe aïe aïe. Il est fou synthétique. Il veut faire fermer boutique synthétique. Est-ce que ça sera un homme? Ah, bonne question, Dot. Tu sais choisir les questions. Mais venant d'un mec qui travaille à la DST, ça ne m'étonne qu'à moitié. Aïe aïe aïe. Je ne sais pas, pour l'instant, je n'en dis pas plus sur le genre de la personne qui m'accompagnera. Parce que je ne suis pas sûr de moi-même le savoir à l'instant T. Papa. Oh putain, ça part en couille ce soir, les gars. Ça part en couille. Ah, tu me diras comme souvent. Et comme souvent, dès qu'on approche de minuit, tu sais, c'est l'heure où, en plus, avec la concentration sur PCM tout à l'heure, faut relâcher un peu la pression. C'est ça. Donc, c'est normal. Est-ce qu'il porte un chapeau? Pareil, je ne suis pas sûr de le savoir encore. En fait, je crois que de Tigno, je vois qui est-ce. C'est ça, c'est ça. Il a pris le truc devant lui, tu sais, parce que comme il est, voilà, il a ce qu'il faut chez lui. Il prend le truc, il regarde, il fait, alors attends, on va partir sur ça. Ok, non, ça marche pas. Alors, prochaine question, Dot. On attend. Première saison à l'OM, j'ai fait le triplé L1 Coupe de France, Europa League, GG, Mio. Bien, bien. GG. GG. Dijon-Metz, c'est une sacrée affiche de LDC. Rigole pas trop, Osvaldo, ça pourrait être le cas d'ici quelques années. Rigole pas trop. D'ailleurs, on va clipper ça et dans 3 saisons, on en reparle, Osvaldo. C'est Roger Leroux à lunettes. Aïe aïe aïe. Ouh, PSG, j'étais énervé. Ils ont signé Yarmolenko et Lozano. Ouh, Yervig. Ouh, ils ont gagné 6-1 là. Ils sont énervés. Ça va être Il est à chaud. Toulouse. Ouais. Yervig de la Noël. Pour l'instant, je vous dis pas plus, mais voilà, vers 21h30, tenez-vous prêts sur Twitch. Je ne sais pas encore. Je vous ne donne pas encore plutôt, puisque je le sais, mais je vous ne donne pas encore la chaîne. On verra en temps utile. Intéressant. Lautaro, il plante, il peine à revenir de blessure. Alors attends. Est-ce que Lautaro, il est chaud? Eh ben non, tu vois. Ouais. Toujours pas revenu vraiment, hein. Il est à 91 de condition, là, 83. Il a toujours pas fait un match, même pas une rentrée en jeu. T'as Mio, si tu voyais ma Lopez dans ma partie avec Marseille, comment il est devenu? Le Bayern Atletico, il propose 80 millions, je les envoie dégager. Je dégage. Il devrait continuer de le faire jouer, Camara. Ils vont pas le faire jouer, c'est con ça. Thauvin, Willems. Ok, Franchement, Rajkovic si. est devenu titulaire. Ils mettent Sturaro en défenseur droit, mais ils sont sérieux. Bah, il a les capacités pour, hein. Ouais, c'est pas faux. Effectivement. Si j'ai juste, j'ai pas du tout l'habitude de le mettre à Ouais, c'est cette sûr, moi place. aussi. Servi, Germain. Ok. Ok. J'ai vendu Maxime Lopez.
40 millions à Arsenal. Ah, t'aurais pu vendre plus encore, je pense. Encore plus. Et Marseille qui gagne 2-0 avec un doublé de Valère. Voilà. Pour l'instant, ça tient le pav, hein, avec le PSG. On verra jusqu'où. Est-ce qu'il est Portos? Qui ça? Je ne pense pas. Ah, d'accord. Si il ou elle est portugais ou Je viens de portugaise. comprendre, ça y est. Je ne pense pas. Pas à ma connaissance. Moi, il joue, mais plante pas. Et ouais, parce qu'il faut du temps. Une blessure comme ça, Dot, c'est obligé qu'il faut du time pour récupérer. Tu peux pas revenir replanter Golasso sur Golasso après la blessure qu'il a eue. Le gars en vocal, tu le fais jouer comment Lopez? C'est Araki, Sco. C'est Araki Ryuichi. Je fais jouer en mezzala attaque. Araki qui est souvent présent sur le chat. Hein. Ça te parlera peut-être. Et qui dit beaucoup de conneries. Pas trop je trouve, non, pas trop. Pour le Bon. coup. Non, franchement, non. Ça. Y a pire. Et j'ai fait pire, je suis pire chez Gourou, t'inquiète pas. Ah, au fait, tu l'as rendu dingue là avec le Ouais, Boca, j'ai c'est envoyé un ça? poker. En fait, il avait une proposition de Monaco, de passer un entretien, et moi j'en Ouais. suis de roue. Je demande une roue, je lance, et ça tombe pile sur l'option de lui faire changer de club. Ouais. Je lui fais, tiens, regarde le dernier des deux, c'est qui? Et c'était Porto. Et puis je joue à quelques lignes plus haut, vers la 20e, je joue à Boca Junior, je fais, tiens, va à Boca. Là, il est en train de péter un câble. Là, il a quasiment vendu presque la moitié de l'équipe. Ah ouais, il est au bout. Ouais, c'est la moitié ou le trois quarts de l'équipe, elle a revendu. Ok. Punaise. Bon, après, j'ai été sympa. J'ai remonté sa réputation de 1000. Donc, t'as eu limite de répute. Ah ça va, du coup il a pu Donc, t'as pu récupérer faire des joueurs, signer. ouais. Voilà, t'as pu signer à faire d'autres joueurs. Ça Donc, va. je suis pas totalement salaud. Mais bon, Pourtant, c'est vrai qu'il a vraiment pété. L'histoire qui me disait, il a vraiment Boca, ils pété un sont pas câble. mal quand même. Ouais, mais comme il fait une Super League chez nous, là. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est ça, donc c'est pas pareil. C'est pas Mais faux. disons qu'il m'a dit pète un câble. Normal. Il pète un câble en live parce que. Normal. Son gardien, c'est une chèvre. Ses défenseurs, c'est des chèvres. Et comme tous les meilleurs joueurs de Boca sont partis, il restait que des mauvais. Enfin, des mauvais, des moyens, quoi. Ouais, on a compris, ouais. Avec l'homogénéité, parce que ouais, la Super League, je l'ai testée, mais du coup, le niveau, il est super homogène. Et chaque Ouais. match, c'est un match de LDC, tu vois, c'est un truc de fou. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, c'est super tendu, faut pas croire. On joue à domicile, alors attendez, on va essayer de faire ça. Ah, t'inquiète, moi aussi, mais aucun. Lopez, il veut partir, mais je dis, va te faire foutre. Tu restes. T'as bien un ou deux gars qui ont essayé de gueuler. Il y en a un qui s'est rangé de mon côté, t'as le deuxième qui continue de râler, j'ai dégagé direct. J'ai vendu à Valence. Ça, les gars qui sont pas contents de ma gestion, ils dégagent. Ah moi c'est pareil sur FM, c'est la même. C'était Walter Gonzalez qui était pas content. Ça a dit dégage Valence. Ah moi Je lui Rooney, gratos. 3 matchs à Al-Ahly licencié. Bah tu vois. Ça moi, il râlait Gonzalez. J'ai parlé. Il y avait lui et Cuisance. Ouais. Cuisance, il s'est rangé de mon côté. Gonzalez, il râlait encore. J'ai vendu à Valence pour 23 millions. Je lui gratos, donc ça m'a fait une plus-value de 23 millions. Ça va, bien. Tranquille. Et puis mon équipe, la liste de pépites fait trop la différence. Eh ouais, Mio, t'inquiète. Attends. Ouais, je vous fourre pas Et ouais. de la mauvaise cam, hein. Et Metz, magnifique. Putain. C'est Nolan Roux, quoi, putain. Ok. Magnifique. Ah, effectivement. Ok, Ah, par contre, là, c'est Mio, bon, c'est pas c'est mal. bon, c'est bon, ça va, c'est bon, on a compris. On arrête. Douillet, quel est ta carte? Douillet ou Douillet?
C'est quoi cette phrase de merde? Ouais, ça va être compliqué ce match. Ouais. Ah, il est chaud, Caleta-K. C'est un killer. Laisse tomber. Et finale Argentine-Allemagne. Ok, Seb, ça marche. Compliqué, hein. Putain, roule a failli marquer encore là. Non, on fait pas d'occasion, mais là c'est clairement Mmh. là le vestiaire et tout, hein, ça va pas. Ça pénalise grandement sur les performances sur le terrain. Putain, Metz, 4 tirs, 3 cadrés, 2 buts. C'est ça. Ok. Alors, on tente un peu freestyle, hein. Vous l'aurez compris, je pense. Bonne nuit Théo. Et bonne Tu dors nuit. bien mec. Bonne nuit Théo, merci. Dors bien Merci mec. d'avoir été avec nous. Et yo Joss. Yo yo yo, comment ça va? Et non, les Sixers sur maillot. Sixers, Sixers. Iverson. Allen Iverson. Okay. Dis, tiens, je vois que t'as réserve, toi. L'ancien maillot, parce que j'allais dire tu me déçois. Ah non, non, l'ancien, ouais. Et aïe, the answer. Allez, Orsolini. La remontada, les gars. Remontada. Vamos. Et t'as regagné 50? Ah ouais, GG, Joss, j'avais pas lu le message. GG. GG. Et oui, j'adore. Oui, bien joué pour l'OM. Exact. Bien joué. Vendu Guézal, 15 millions. Pas mal, c'est pas mal. Pas mal. Et voilà, remontada. On est là. 2-2. Si, si. Voilà les gars, Maté joue, il est chaud. Comment? Allez, vamos. Les deux équipes marquant pour Salzbourg-Lazio. Ah, nice, nice, Joss. Gérer les Red Gen, je galère avec ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles gérer les Regen? Et Marseille, et Yotaki, et oui, Massilia, qualifié. Salut, Yo yo yo, Taki. Le plus beau match vu au stade. Ah oui, je savais que tu devais y aller. Eh ouais. C'est clair, tu m'étonnes, il devait y avoir une ambiance de malade. Allez, on va aller la chercher, cette victoire.
Vas-y, vas-y. Let's go. Ce qui manga là, il n'est pas chaud, manga là. Je me mets devant des clips sur Twitter. Je suis pas super marseillais, mais magnifique. Félicitations, soit de la fête du côté de la Canebière. Ouais, c'est clair, Joss, c'est clair. C'est clair. Tu me prends ma place par la finale. Putain, ils ont égalisé. Putain, les bâtards. On dirait qu'ils ont les qui mènent, tu veux dire. Hein? Tu veux dire qui mènent. Ouais, tu m'as compris. Ouais. Ouais, c'est ça, Raki, exact. Ah, on verra, t'as qui? Moi, je vais déjà essayer de prendre la pour moi. On verra après s'il y en a encore une qui traîne. C'est possible, tout se négocie, t'as qui? Tu stream jusqu'à 4h du mat, on arrangera comme ça. Je vais direct sur la F1. Allez, vamos. Ah, c'est abusé si on s'incline après être revenu à deux partout là. Allez, allez, le contre. Voilà! C'est ça! Un décalage entre entre ce que tu Ouais. joues et... Parce que toi sur le Ah. Discord, tu m'entends en direct. C'est ça. Mais ouais, je sais. Quand t'es sur Discord, t'es en direct avec moi. Bonne récupération de la place du joueur, de ton joueur. Ouais. Allez, je lâche rien. Un point, ça me satisfait pas. On va chercher les 3 points. On n'a pas fait tout ce retour pour rien. Allez. C'est pas grave si on perd, on perd. Mais au moins, on joue avec panache, les gars. Ah ça, tu m'as tenu, mais bon. Ouais, bon, après un point contre Metz, je préfère prendre les 3 points. Ah c'est sûr. Je Comme suis je dis comme... toujours, un point c'est mieux que zéro. Ouais, mais bon, si je commence à faire des 1 point par 1 point. Oui non, ça va pas le faire. Parce que déjà, le match d'avant, on a fait match nul, tu vois, donc. Déjà ouais. Là, en plus, on est à domicile. C'est pour ça que je veux absolument les 3 si c'est possible. Mais ça me paraît compliqué. Quoique, quoique, quoique. Oh là là. Mais non. Mais non. Mais non. Oh là là. Oh là là. Match nul. Ah. Aïe, C'est contre qui le prochain match? aïe, aïe. Je sais plus. Je sais plus. Putain, je suis deg. Mais c'était bien. On était mené 2-0 quand même à mi-temps. Dommage. Dommage, dommage. Bon, de toute façon, on le sait, là, le top 3, ça va être compliqué. Ouais. C'est pas forcément l'objectif premier, mais au moins essayer de viser la 5 comme l'année dernière. Marseille, 4 matchs, 4 victoires. Et on a laissé notre empreinte. Ça aide. C'est ça. Ouais, t'as qui? Ouais. Tout à fait, ouais. Et les amis, début de l'Europa, là, de l'Europa. Ça va, c'est pas un joueur cadre. Début de l'Europa, début des paris. Avec le Dijon FC. On va se déplacer à Fenerbahçe. Ensuite, on va se déplacer à Monaco. Ensuite, on va recevoir Marseille. Autant vous dire, là, c'est une semaine de la muerte. Attention, ça va être chaud patate. Chaud patate.
Et merci McBurded pour le follow. Désolé, les prononciations anglo-saxons des fois, ça me ça m'échappe. Bienvenue parmi nous, Mac. J'espère que tu vas bien. Et olé olé, Diego. Ah, t'entends plus rien sur Discord, Araki? What the fuck? Discord, il est en PLS, je crois, Araki. Ouais, Discord, il est en PLS. Hop. Je sais pas pourquoi, ouais, le Discord il est down. Vous m'entendez sur le live? On verra si ça revient tout à l'heure. Mais effectivement, de mon côté, le Discord est KO. Et c'est bien triste parce que j'entends plus mon Araki. Adzi, tu peux jouer en S1 Arène. Adzi. Mais lequel de Adzic? Luca? Oui. Oui, il peut jouer à Rennes. Oui, totalement. Totalement, ça serait même une bonne recrue, je pense. Après, en saison 1, je sais pas, parce qu'on a déjà fait un an. Mais là, en tout cas, vu le profil actuel, il n'y a aucun souci. Donc, je pense qu'en saison 1, ça doit être quand même passable. T'inquiète, je vais revenir. Ça marche, Araki, mais je sais pas, c'est peut-être moi. Hein, c'est plutôt moi de mon côté que je vois le Discord qui a craqué. Alors, attends, je vais essayer de le quitter et de le relaunch. On va voir ce que ça donne. Les serveurs sont down. Oh, yo, Loggang. Merci pour l'info, Loggang. Ok. Tous les Discord. Ok, les gars, merci. Merci, c'est sympa pour les infos. Et si avec la prononciation, commence pas, papy. Commence pas. Hein, attention. Commence pas, papy. Je suis chaud ce soir. Ok, non, Discord il veut pas là. Discord il veut pas. Du coup, on va faire sans Discord pour le moment. On va préparer le match face à Fenerbahçe. On va faire un petit pari. Ça se passe ici. Hop, on est à 50 pesos maximum. Vous allez avoir 2 minutes. Alors, hop, 2 minutes. On est à l'extérieur. Donc, le 1, c'est la victoire de Fenerbahçe. Je vérifie quand même. On est à l'extérieur. Le 1, c'est la victoire de Fenerbahçe. Le 0, c'est le match nul. Et le 2, c'est la victoire de Dijon. Vous avez 2 minutes. 50 pesos maximum, les gars. C'est maintenant. Allez, on va faire la team. Rosier. Lotoa. Escobar. Lesigno, il n'est pas inscrit. Voilà. Non. Auxilia. Ok. Moiskin, Daka, ok. Et on va embarquer Sliti, je pense, avec nous. Voilà, on va faire ça. Allez, on est chaud, c'est parti les amis.
Alors, ok. Pour l'instant, on va rien toucher. On va les encourager. Personne n'attend rien de nous, mais nous, on attend quelque chose quand même. Donc, vamos. Allez, on est parti. Premier match européen pour Dijon. En déplacement à Istanbul en plus. Ça va être une entrée en matière assez intense. Let's go. Ah, y a quand même, y en a quand même certains qui ont parié sur Dijon. Ça fait plaisir, les amis. Bah, je vais essayer de ne pas vous décevoir. Et merci à Fed pour le follow. Merci pour le soutien, Fed. Bienvenue parmi nous. Allez, on y croit. Po, 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 soldado. Attention là. Il va se faire rouster. Croise les doigts. Eh, ça va être compliqué, synthé, tu sais, hein, de toute façon. Première campagne européenne. Tu tombes dans une poule quand même. Avec des clubs qui ont de l'expérience sur la scène européenne. Donc c'est jamais facile. La frappe de Mangala, elle était bien vue. Go final Argentine-Allemagne. Est-ce que je vais réussir le défi, gagner la Coupe du Monde pour Messi? Et j'espère, Seb. J'espère. Il faut que tu y arrives. Ouh, belle frappe là aussi. Ah là là, attention, les passes dans le dos là. Le contre, Boshila, Daka. Ça repart par derrière. Moïse Kean, Llorente, Daka. Et ça finit à côté. Puig. Giuliano. Hein. On se fait manger pour l'instant, là. Hein. Allez, Moïse Kean. Ouverture du score. Moïse Kean. Le premier but en Europa pour Dijon. C'est maintenant. C'est Moïse Kean. 1-0 les gars sur une passe de Mangala. Ouais, Synthétix. On l'entend plus. Attends, Araki, je vais remettre les commandes, tiens. Tu m'as fait penser. Toutes les commandes FM vont pouvoir être réutilisables. Voilà, c'est bon, ça remarchera maintenant. Je les avais désactivées pour PCM. Ok. Tu fais du taf avec Dijon. Ah, on essaye, Joss, on essaye. On essaye. Merci mon ami, c'est gentil. Mais ça va pas être de tout repos hein, cette campagne européenne. Faut pas. Même ce match hein, déjà, il n'est pas terminé. On le sait, la deuxième mi-temps, poussée par le stade en folie, ça va être compliqué. Oh là, c'est dommage ça. C'est dommage. Ouais, non, mais c'est sûr, Joss, c'est sûr. C'est sûr. C'est important d'essayer de rester dans le même état d'esprit en deuxième mi-temps là.
Allez, le nul reste possible. Solu, il a parié sur un match nul, je crois, Solu. Ça m'étonnerait pas. Vas-y, après, je fais des bêtes. Vas-y, Joss. Ça marche. Où Stigard là? D'accord. Mangala, il a un petit jaune. Je vais mettre Bushi là. Et Orsolini là. Voilà. Pour l'instant, on va attendre. J'espère qu'il a. À mon avis, c'est pas bon signe pour Baptiste René là. J'ai peur qu'il y ait une indisponibilité relativement longue. C'est quelle équipe? C'est les Sixers, Sako. C'est les Sixers de Philadelphie. Ancien maillot de Allen Iverson. Je joue en contre avec la vitesse de Kin, ça va faire mal. Ouais, je suis déjà en contre, hein, j'y suis, les gars. Don't stress pour le contre. Et le 2-0, Østigard, le défenseur central. Po, po, po. Østigard, il nous a mis un golasso là. Venu de nulle part. Ah, y a pas de souci. Pas de souci, Antoine. T'inquiète. Les Sixers, futurs champions. Ah, si seulement. Si seulement. J'ai jamais fait encore comme un toto. Ça va, y a pas de souci, Jess. Je suis comme la Suisse. Eh ben, la Suisse, elle va perdre de l'argent ce soir, Solu. La Suisse, elle va perdre de l'argent. Eh, Synthétix, tu es venu dans l'espoir de voir des carottes, mais ça ne sera pas pour ce match. Dans quelques années. Ouais, si seulement pas, ouais, si seulement. J'aimerais bien. Allez. Allez, allez. Bien joué le tacle, c'est ça. C'est ça, les gars. Chaud, c'est chaud. C'est chaud, allez, on lâche rien. Montrez que vous avez du caractère. Vamos. Bien joué, Escobar. Il fait un gros match, j'ai l'impression. Allez, le contre pour Daka. Oh lolo. C'est pas possible. Il n'y a qu'une carotte qui t'intéresse. Miami est champion, je me rase 100% du corps. Hein. Ça marche pas, Wadi. Sache que c'est noté, c'est enregistré. Je viendrai te chercher. Pour te faire tenir ta parole, hein, si ça se produit. Aïe 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 aïe. Allez, on lâche rien. Abade, voilà, ça joue bien quand. Aïe aïe, attention le contre. Ça peut faire très mal. Ouais, ça peut faire très mal.
Non, j'ai pas eu le temps, Solu, j'ai pas eu le temps, excuse-moi, ouais, j'ai pas eu le temps. Il en reste, je sais qu'il en reste d'ailleurs, mais j'ai pas eu le temps de les rapatrier. Je me suis pas penché dessus en ce moment, comme j'ai le petit toute la journée, c'est les vacances scolaires. Du coup, je peux faire moins de trucs. En plus, avec la Coupe du Monde PCM aussi, qui me prend aussi du temps, donc. Non, j'ai pas eu le temps du coup. Déjà qu'il passe un tour. Il s'est drogué avant Pablo Escobar. Et re-Burten. Re-re-re. Oh, autrement dit, j'aurais des poils encore longtemps. Ouais, c'est sûr. Ouais, pas... C'est sûr. Pour le moment. Ouh, il a fait un petit lob, Bouchilia. Non, mais il s'est senti pousser des ailes, là. Po, 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 le roi, il fait une parade, là, encore. Wow, chaud. Ça va nickel, Burten. Nickel, nickel. C'est deuxième match de la soirée. Premier match de poule en Europa League, là. À l'extérieur, à Fenerbahçe. Allez, go. Cours sur le ballon, fais quelque chose, gars. Corner, corner. Allez. Je pense que on tient le bon bout, les amis. C'est fini, monsieur l'arbitre, c'est fini. Stop. Merci, au revoir. 96e, oh, 5 minutes, t'es en train de me mettre combien de minutes là? Ça y est. On a pris les 3 points. Premier match européen, première victoire, les amis, sous la direction de Dijon. Beau match. Franchement. Parce que c'était pas évident au départ, on s'était fait un petit peu marcher dessus. Et derrière, on a su faire la différence. Ça fait du bien. Une belle victoire à l'extérieur en plus pour débuter. C'est toujours intéressant. Je regarde un petit peu les autres résultats là. Bilbao, ils ont gagné. Ouais, ok. Deux cartons rouges, Braga. D'accord. Liverpool, ça, bon, normal. 4 à 6 semaines, ok. 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 Les pesos, attendez les amis, je vais vous payer ça tout de suite. Ah, c'est bien. Vous avez perdu plus de pesos que ce que j'en ai à payer. C'est bien. Là, j'ai fait une bonne OP, là. J'aime bien la partie avec Dijon. Je vais pouvoir vous dépouiller un peu. Parce que vous pensez que je vais pas gagner les matchs, hein? Allez, allez. Vous êtes des grands malades. Et merci aux fidèles qui continuent de miser sur moi. Ça me donne envie de me battre à chaque match pour vous. Même quand la cote nous est pas favorable, on se déchire. C'est normal. C'est normal, Araki, c'est normal. Et Guingamp, ils sont hot. Donc au final, la petite défaite qu'on a fait contre Guingamp, bah, c'était peut-être pas si anodin que ça. Ok. Là, on va aller à Monaco. On va aller à Monaco. Alors, attendez, on va regarder le calendrier un petit peu. On va aller à Monaco. On va recevoir Marseille. Ok. Allez, petit bet. On remet ça. Vous avez une chance de vous refaire, les amis. On remet ça. Un petit bet. 2 minutes. 50 pesos. On se déplace à Monaco. Donc, 1 pour la victoire de Monaco. 2 pour la victoire de Dijon. Et 0
pour le match nul. C'est parti, 2 minutes les paris, les gars. Et bonne nuit, Gengar, bonne nuit. Repose-toi bien, merci d'avoir été avec nous, Gengar. Et bonne nuit, Araki, bonne nuit. Merci. Merci à toi aussi d'avoir été en ma compagnie sur le Discord, de nous avoir accompagnés toute cette soirée. C'est gentil. Repose-toi bien, mon ami. Et on va tout faire pour dépouiller les personnes qui ne me font pas confiance. Hein? Il faut qu'on s'en mette plein les poches. Allez. Et yo Mewtwo, comment ça va Mewtwo? Est-ce que tu vas bien mon ami? Je misais pas pour toi mais pour mon club. Ben, c'est pas grave Sco. C'est pas grave. Ça marche quand même. Tu t'en mets plein les poches. Tu as raison de suivre ton club. Il faut. Il faut, il faut. Alors en plus on va jouer contre les Monégasques, les Marseillais. Si on peut essayer d'en accrocher un à notre tableau de chasse là. Et Marseille 5-2. Pou pou pou. Ils sont très très chauds, Marseille. Ça me fait plaisir parce que je vois que le travail entamé l'année dernière, enfin réalisé plutôt l'année dernière, porte ses fruits. Donc c'est cool. J'aime pas l'OM. Ça va et toi? Ça va nickel, Mewtwo, nickel. Lionel Armando Tovino, 5-2 comme ce soir, eh ouais. Eh ouais. Chaud patate. Chaud patate. Toujours pour Monaco, je sais, Seb, je sais, je sais, je sais. Je t'en veux pas, je t'en veux pas. Et en plus, sans Baptiste René, blessé. Donc on va rigoler peut-être. Ou pas. On va voir. Lille-Lyon. Ah, il y a des liens qui commencent à se créer. Nice. Alors, il faut qu'on les fasse souffler un petit peu, nos amis là. Lotoa, Pierry. Voilà, ça va être un peu l'occasion pour tout le monde de se montrer. Hop. Et du coup, on n'a pas de gardien. Bah, je vais jouer sans gardien. On va quand même pas avoir les deux qui se blessent en même temps en match. C'est quand même. Ça serait surprenant, un minimum. Allez, vamos. Tu recherches quel type de joueur pour le prochain mercato? Je vais voir pour l'instant, Antoine, parce que je t'avoue qu'on n'a plus d'argent. Donc je sais pas si au mercato d'hiver je vais pouvoir faire quelque chose avec. On va surtout essayer de cibler les joueurs qui arriveront en fin de contrat pour la saison prochaine. Donc voilà. Là, dans un premier temps, je dirais un gardien quand même parce que on a deux gardiens avec un âge avancé et j'aimerais bien un jeune en remplaçant ou qui puisse succéder à Baptiste René par la suite s'il a le niveau déjà maintenant, faut voir. Mais peut-être un gardien. Pour prévoir l'avenir, parce qu'il n'y a pas de jeune gardien avec un bon niveau à Dijon pour le moment. Voilà. Sinon, sur les autres postes, j'ai quand même pas mal renouvelé pendant l'intersaison. Et je pense que pour l'avenir, ça devrait être pas trop mal. Avec l'effectif que j'ai sous la main, la relégation, en théorie, ils doivent plus l'avoir pendant quelques temps, Dijon. C'est pas de la jalousie, j'ai tellement hâte de jouer à Amiens à 17h. Comment tu fais pour gérer les finances car je suis toujours dans le négatif dans chaque club? Bah il faut gérer, faut revendre en fait, revendre tes joueurs quand tu es sollicité spontanément par les autres clubs. C'est là où tu peux en tirer le maximum en termes de plus-value. Et il faut pas hésiter à accepter de laisser partir certains joueurs pour remplir les caisses du club, mais ensuite aller compenser ce départ avec une arrivée moins onéreuse.
Et en fait, petit à petit, en faisant ça, en vendant à très bon prix tes joueurs et en les remplaçant avec un coût inférieur mais une qualité minimum égale, et ben année après année, tu développes ton budget et ton fonds, enfin ta trésorerie, et tu as de plus en plus de soldes en banque. Voilà. En gros, faut faire des belles ventes et recruter malin. C'est ça l'idée. N'oublie pas en octobre, Regen Côte d'Ivoire. Ouais, c'est. Ouais. Et on joue en bleu, tiens. On joue en bleu, donc c'est nous qui mettons la pression. C'est bien. Pas mal, début de match. Mais je t'en prie, bah, je t'en prie. N'hésite pas, si t'as des questions, on est là, hein, pour s'aider, pour y répondre sur le chat. Et ouverture du score, Naïm Sliti. Vamos, c'est ça. 1-0 sur le rocher. Eh, le gourou, il est où le gourou là? Il est où? Hein? On n'entend pas le gourou là. Voilà. Sliti. Ils ont deux réaves. Ah ouais, ils ont pas déconné. Ah ouais, ils ont été chercher deux réaves. Tu vois, c'est un deux réaves par exemple qu'il nous faudrait. Je serais pas contre. Je serais pas contre à Dijon. Mais là, on n'a pas le même du budget que Monaco. J'ai parié sur toi. Ben écoute, Osvaldo, on verra. Pour l'instant, t'as choisi le bon cheval, mais le match est encore loin d'être fini. Et yo, Porzingi! Oh, comment ça va? Ça fait un petit moment. Ça fait plaisir de te revoir. Ça va nickel, nickel. Je te remercie, mon ami. J'espère que toi aussi. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Un ancien qui repasse. Allez, il faut tenir maintenant. Oh, Konechny, le 2-0! C'est ça! Premier but sous le maillot dijonnais pour Konechny. Et ça va nickel, hein, les amis. Toujours, toujours présent. Et what the fuck de Réa, t'as vu Dutz? Ah ouais, un truc de fou. Un truc de fou de Réa. Et on est en train de le percer, le de Réa. On est en train de le percer, les gars. Eh. La moutarde est on fire. Attention à pas vous faire piquer le nez. Ça va plus trop de temps de passer. Je suivais que Twitter quand je pouvais. Bah c'est cool, en tout cas, ça fait plaisir de te revoir, mon ami. Ah là là, c'est nimp ça. C'est nimp. Regarde Vulker Farines de Millionarios. Impia, Yantia, Toro, c'est le frère de Savic de la radio, ils ont pas mal et pas cher. Ok, ça marche Antoine. Ok. On ira jeter un œil après alors. Falcao, Burten. Commence pas. Et merci pour le follow. Blazer. 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 Merci pour le follow Blazer, bienvenue parmi nous. Excuse-moi, j'ai eu un petit bug pour déchiffrer. J'espère que tu vas bien et merci encore une fois pour ton soutien, mon ami. Allez, it's time to change. Il est un peu KO lui. Les autres sont plutôt dans leur match. Là, toi, t'es un petit peu nerveux. On va apporter de la sérénité. Let's go. Ok, alors attendez, ça n'a pas pris effet encore là.
Hop. Ok. Allez, go, bien joué. Popopo. Popopo, il a croqué Konechny encore. Oh là là. Ouh, le roi. Le roi, il fait un bon match, les amis. Eh ouais. Faut pas l'oublier, ça aussi. Allez, on va tenir. On va tenir. Allez. Ils ont fait leur dernier remplacement là. C'est CJB, ok, Darmian. C'était chaud. Oh, c'est qui? Yambéré. Ah ouais. Ça aurait été beau aussi. Allez. Bien joué, la récupération de Smith. Ça va tenir ou pas? Ça va tenir, les amis. On y croit. Allez, coupez-moi ce Falcao. Et le roi qui sort la parade encore. Po, po, po. C'était chaud parce que là, je la voyais bien finir au fond. Ouf, 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 ça presse de ouf là. Allez. Ouf. Encore une parade de leur roi. Et on s'impose sur le rocher. Voilà. C'est ça, les amis. Belle victoire. Ah ouais, le goal, il a assuré, hein. Ouais, c'est clair. C'est même pas le premier par gardien. Ouais, non, c'est clair. C'est pas le premier goal hein, de la team. C'est Baptiste qui vient de se blesser. Mais là, il a fait un match de dingo. Et on va payer les amis qui ont parié sur moi. Ah, c'est bien, je fais encore plus d'argent que ce que je dois payer. C'est magnifique. Ah, j'aime ça. J'aime Dijon. C'est magnifique. Ils me font gagner plein de pesos, Dijon. Et le PSG qui s'impose. Le mano à mano. Et nous, on est là, tranquillement. Petite sixième place. Une belle victoire. En principauté, tout va pour le mieux. Et la légende, elle est là, Osvaldo, la légende. Elle est là, eh oui. Et désolé, amis marseillais, ça va être le choc. La confrontation face au club de l'année dernière. Ça risque d'être chaud. Et je vois que Sko, il a encore fait le jackpot. Araki aussi. Osvaldo aussi, pour une fois, il a su faire le bon choix, notre ami Osvaldo, ça fait plaisir. C'est ça. Tu as déjà 7 points de retard sur le PSG. Non, mais je joue pas le titre, Burten. Je joue pas le titre avec Dijon, faut être un minimum réaliste, même avec le mercato qu'on a fait. Je peux pas jouer le titre en jouant l'Europa. J'aurais peut-être pu jouer plus le titre en ayant que le championnat, mais là, pas possible, faut pas rêver. De Réa, ils l'ont payé. On va aller voir ça, tonton. Sachant que l'OM, j'ai fait une équipe de déglingo.
Donc c'est pareil, je peux pas rivaliser avec Dijon. 57 millions. Pas cher. Franchement, pas cher. Par rapport au joueur que c'est. Bon, par contre, faut payer le salaire derrière. Ça, c'est encore une autre histoire. Non, je vise au minimum la cinquième place, Burté. J'aimerais bien la cinquième. Si on peut faire un podium, une troisième place, why not? Mais ça va être compliqué. Et une quatrième ou cinquième. Vu qu'ils ont fait cinquième sans moi l'année dernière, j'aimerais bien qu'on fasse minimum cinquième pour pas faire moins bien. Sachant que l'effectif, je trouve qu'il s'est renforcé. Donc, voilà. J'aimerais bien au moins 5. Et le Royaume-Uni quitte l'Europe, comme prévu. Vavaké. Vidéo de Sertic qui filme les joueurs. Ah oui, il y avait les noms de gardiens tant à l'heure. Antoine, faut que je reprenne les noms d'Antoine. J'avais zappé avec la suite là. Millionario, ouais, mais je le connais en plus, lui. Du Millionarios, ça me parle. Millionarios. Je les ai pas mis la Colombie là. Millonario, c'est en Colombie, voilà, c'est là. Sanchez. Peut-être qu'il n'y est pas aussi. Hein. Peut-être qu'il n'y est pas. Je vois Farinez en plus, je crois. C'est le nom. On va restaurer les transferts. Ah, il est parti à l'Inter. Tu vois, il est dans ma sélection. Ouais, il y était déjà. Effectivement. Il y avait Savic et Vodisek. Vodisek. Il est pas dans la sélection, lui. Ah, il est pas dans ma sélection. Nice. 350K la clause libératoire. Ok, nice. Nice. Et l'autre, c'était Savic. Vanya Savic. Comment tu l'écris? Vanya. Espagnol prêté par le Torino. Il était dans ma sélection, lui. Ok, bah on va aller jeter le Slovène, du coup. Voilà. Il est parti à Paris dans ta game. Ok, Seb. Ok. Victoire en CDM avec l'Argentine. 4-1 sur l'Allemagne, doublé de Messi. Aïe, 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 c'est ça. C'est ça, Seb. Ça fait plaisir. Et du coup, match contre l'OM. Eh ben, on est reparti, hein. On est reparti pour un petit bet. Cette fois, on joue à domicile, les gars. Donc, le 1, c'est pour Dijon. Le 2, c'est pour Marseille. Et le 0, le match nul. Toujours 2 minutes. 50 pesos. On est là. Let's go. On va réinverser tout ça. Escobar. Il est chaud. Alors, attendez. C'est quoi le match ensuite? Et ok, il y a encore Ajaccio. Ça roule. Moïskine. Dakar. C'est Matan qui joue pas beaucoup là. On va tenter un truc comme ça.
Boytank là. Ok. Pas connecté ni. Let's go. Là, il y a d'autres si paris sur l'OM. C'est ça. Ok. On check un peu. Je vais faire ça. Ça. Ok, la causerie, je l'ai faite, c'est bon. C'est parti. Alors, ils ont mis Germain, Servi, Payet, ok, leur 11 titulaires qui enchaînent les matchs. Ça bouge pas. Allez, Escobar qui récupère. Loto. Hein. Matan. Llorente. Bouchilia qui décale pour Moïse Kean. Et la parade de Rajkovic. Il va certainement nous casser la tête, Rajkovic, dans le match. Le connaissant. Moïse Kean encore une fois face à Rajkovic. C'est chaud. Deux grosses opportunités là. Allez, on y croit. On est sur une bonne dynamique. Des liens commencent à se créer. On peut le faire. On peut le faire. On est sur deux grosses victoires à l'extérieur. Même si Marseille est très très chaud. Ouais, depuis le début de saison. On peut peut-être faire quelque chose. Burten, bien sûr. Allez, Matan, non. Attention, compte là. Ça va. Toujours là, Moïse Kean. Il est chaud, Moïse. Mais ça passe pas pour le moment. L'OM qui a su concrétiser la seule frappe cadrée. Eh, golazo, tu vas voir, Burté. J'ai réussi à vendre Moutinho 40 millions. Ça va, ça passe. Ça renfloue toujours les caisses avec 40 millions. T'as de la pépite, hein, de toute façon, t'as plusieurs pépites pour 40 millions, donc c'est pas un problème. PSG Bordeaux, ok. C'est compliqué là. C'est compliqué, ok, il y a Boschilia, il est touché, il y a Llorente, il est touché, ça va pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ça va pas du tout, du tout, du tout. Alors, Bochilien. Orsolini. Llorente.
Let's go. Marseille vise le titre, et ouais, c'est normal, c'est normal. C'est normal. Et yo, Seto, comment ça va, Seto? Est-ce que t'as la forme? Est-ce que tu vas bien, Seto, que t'as passé une bonne soirée? Tu reviens du taf? Ah, ok, Seto, ça marche. Eh ben, viens te détendre tranquillement, notre compagnie. On est sur une bonne série avec Dijon, mais là, Marseille est en train de nous voler comme souvent. Hein. Comme tu peux le constater par toi-même dans les stades, de toute façon. Mais Bouchy n'avait pas été sorti, Bouchy. D'accord, c'est magnifique. Allez, let's go. Let's go, let's go. En Europa League, ça continue. Et oui, c'est tout. Et oui, très beau match ce soir des Marseillaises. Belle qualification. Méritée, donc c'est cool, bien sûr. Et potentiellement grosse affiche, hein, en fonction du tirage. Deux tirs cadrés, deux buts. C'est bien. Payet, il a régalé. Ah bah il était temps, j'ai envie de dire. Parce que cette année, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Du coup, en Europa League, c'était important qu'il soit aussi un leader sur le terrain. Une finale Arsenal-OM. Ah, s'il y a une finale Arsenal-OM, en tout cas, je vais tout faire pour aller la voir, moi, au Parc OL. Personnellement. Je verrai si c'est possible. J'y verrai si je peux aller la voir, s'il y a des places pas trop chères. Magnifique, c'est magnifique. Non, là, ça va pas le faire. Faut arrêter de rêver, les gars, aussi. Il y a des choses qui sont possibles et des choses qui sont pas possibles. Thauvin, ouais, il est chaud, ouais. Il est chaud, il est chaud. C'était son meilleur match depuis son retour l'année dernière. Ouais, comme quoi, tu vois, Antoine. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Hein. Choqué, déçu. Bah vas-y, fais-moi rêver, c'est tout. Montre-moi une remontada comme ça, à 10 contre 11. Avec Dijon, les mêmes équipes. Je vais arrêter de parier sur les matchs. Eh ben, écoute, c'est toi qui vois. Hein. Mais je pense que vous gagnez plus de pesos que vous n'en perdez. Hein. Après, à tout dépend les paris, les choix que vous faites aussi. Si à chaque fois vous faites le mauvais choix, moi je suis pour rien, les gars. Là, je faisais ce qu'il valait, hein. Jusqu'à l'expulsion, je faisais ce qu'il fallait. Pour les embêter, en tout cas. Tout bien, 220 millions, ouais.
Même à 10, on a eu des opportunités d'en mettre un, hein, mais c'est pas rentré, c'est pas rentré. Les stats du match, on n'est pas si loin que ça. Eh, c'est ça, c'est tôt, c'est ça. Tu fais pas les. Tu paries pas au bon moment, en fait. Thauvin, 14 millions avec le Borussia. Ouais, ça va, 14. Bonne opération. Moi, vous avez vu ce qu'il faisait à Marseille avant sa blessure, c'était très intéressant. Il se fait découper par derrière, il n'y a rien, tranquille. Voilà, hein, c'est sûr, si les occasions comme celle-ci, on les met pas au fond, ça peut pas le faire. Vingt-huit buts, 16 passes en une saison. Ouais, mais ça m'étonne pas, hein. Moi, s'il avait pas été blessé 7 mois, 6 mois plutôt, ça aurait certainement été dans ces eaux-là aussi. Bon, bah on va payer les Marseillais. C'est bien, hein. Je gagne encore plus d'argent que ce que je ne paye. Ah, j'aime cette partie, j'aime cette partie. On est où? On est 9e. Ok. Je veux rien dire. Hein. C'est pas moi, les gars. Le jeu parle de lui-même. Ça veut tout dire. Ok. Touche combien là? 5 000. Wesh. C'est un show le Slovène. Façon, on n'est pas pressé à la minute. Ok, je savais que là ça allait pas passer. On ira le revoir un peu plus tard. Pas trop. Deux paris perdus. Eh, Seb, c'est dur. Hein. Vous faites pas le bon choix à deux fois d'affilée, hein. C'est dur. Merci Parions Arnaud. Je t'ai payé Burten, ouais, je t'ai payé ça. Espèce de fouine. N'est pas décisif dans les grands matchs. Ouais, c'est pas. Ouais, non, mais après, heureusement qu'ils arrivent à être décisifs ces joueurs-là dans les matchs, hein, dans les matchs où on les attend, parce que sinon ça serait quand même grave. Heureusement, de temps en temps, ils y arrivent. Zénith, Barça, en LDC, en étant chapeau 3, ça va. Zénith, Barça, Pilsen. Ah ouais, ça va, ouais. Ça va, Dutz. Ça va, ouais. Tiens, on va aller voir là dans ma game ce que ça a donné d'ailleurs. Le tirage un peu là. Maxime Lopez au Real. Tu parles IRL ou dans FM Burten? IRL? Ouais, je sais pas, je pense pas, non. Sans vouloir dire que Maxime Lopez ne peut pas jouer au Real, je pense que à l'instant T, en tout cas, c'est pas la cible du Real Madrid. Ouais, le Real sont sur Maxime Lopez. Si je crois, j'ai vu ça. Ok, à voir, hein, mais. Ok, pour remplacer Kroos, ok. À voir, hein. Why not?
qui fait chute au virage et se fait éliminer. Et oui, Augustin le Parisien, mais ok, ouais, bien sûr. Ce soir a été monstrueux. Ah ouais, j'ai pas vu les images, les amis, hein. Je n'ai pas vu le match, donc il faut que je le regarde. Après, il est jeune, il a 20 ans, il a le style que Verratti. Eh ben, on verra, Burtel, on verra. Petit est bon, ouais, non, mais je sais qu'il est bon, Maxime, il n'y a pas de souci. Comme Kanté, non, moi je trouve que c'est pas le même profil que Kanté, par contre, pas du tout. Comme tous les ans, il est suivi par Real Barça. Ok, Dutz, ça roule. My bad. Autant pour moi, les amis. Mais Real et Barça, ils suivent beaucoup de joueurs, hein, je vous rassure. Et PSG Lyon. Lyon, c'est la galère, hein, quand même. Ok. Allez. Ça fait tourner. Ça fait tourner. Parce qu'en plus, ces joueurs-là que je suis en train de faire tourner, ils m'avaient fait un bon match la dernière fois. Konechny. Ok. Boshilia, Kindaka, Llorente, Boateng. Let's go. Let's go, le déplacement à Ajaccio. Et salut Kéké, salut salut. Qu'est-ce que tu as loupé Kéké? Alors attends. On a commencé la soirée avec le match face à Nantes. Donc on a fait match nul face à Nantes, match nul face à Metz. On était mené 2-0 à la mi-temps. On revient à 2-2, ils refont 3-2, on égalise 3-3. Ensuite, on a gagné notre premier match de Liga Europa en déplacement à Fenerbahçe. On s'est imposé également à Monaco 2-1. Sur le même score. Et là, à domicile, on était en train de poser de gros soucis à Marseille. Ils avaient quand même réussi à ouvrir le score sur un contre. Ils menaient 1-0, on a été réduit à 10. Et du coup, derrière, ça s'est mal terminé. Mais sinon, pas trop trop mal pour ce soir. Allô? On va faire ça. Let's go. Maxime Lopez, on l'envoie partout tous les ans, mais pour le moment, il n'y a aucun contact ni rien du tout de source sur les amis. Ça marche, Pierre, ça marche. Bakayoko serait intéressé par un retour Monaco, on en parle aussi. Latéral gauche, Moreno. Ok, Seb, ça marche. Ça marche. Solide Dijon et écoute Raven, on essaye. On essaye Raven. On fait tout pour. Lopez sur côté, hein. Lopez sur pas sur côté, sur médiatisé. Et je t'en prie, Kéké, y a pas de souci. Et c'est Smith qui ouvre le score. Hors jeu, dommage, dommage. Et bonne nuit, Seb. Bonne nuit, repose-toi bien. Merci d'avoir été avec nous. Mbappé, ouais, c'est clair. Lopez, pas fou. Ouais. En France, on a le don de casser nos jeunes futurs stars. Ouais, c'est pas faux, c'est Mio. Effectivement. Allez. Les promus. Oh là là, t'es sérieux? La plupart se cassent tout seuls.
C'est pareil de Umtiti si tu l'as au Barça. Ouais. Nouveau Zidane. c'est chiant de ne plus pouvoir mettre de lien. Et bah passe à tonton d'autres signaux, il mettra le lien au pire Raven en attendant. Si tu galères. Ah oui, c'est vrai avec le changement de truc. Au pire, tu passes le lien à ton d'autres signaux ou à moi et on peut le mettre. Lourdement sa place, c'est quand même très bon signe pour la suite. Ouais, c'est sûr. Raven, c'est sûr. Bah, il est chaud, hein, Mbappé. Il est très chaud. Y a pas de souci là-dessus. Ok. Bon, mais pas fou, c'est mon avis. Lopez, pour son âge, la pression qu'on connaît à l'OM, il répond présent depuis 2 saisons. Il a un peu moins joué au début de saison, mais seconde partie régulier est bon. Ouais, c'est vrai, Dot. Non, non, il fait des belles choses, Lopez. Aucun souci là-dessus. Après, peut-être que ça manque encore de régularité sur la longueur, mais. Tu sais qu'il y a du potentiel, ça, là-dessus. Allez, le contre. Allez. C'est pas vrai, c'est rien. Ça va, 12 tirs de cadré. Les mecs sont à 2 mètres de la cage, ils les tirent pas dedans. C'est magnifique. Magnifique. Alors. Sur Sliti, Daka. Voilà, déjà ça va mieux. Risinho, il fait de la merde, Risinho. Vas-y.
Okay. Let's go. Proto insane, va voir sur Twitter, c'est hilarant. Ok, Mio, j'irai voir après. Là, je me focus sur le jeu, mais j'irai voir, ouais. T'inquiète. Garcia, c'est les tenir. Ouais. Et Mbappé, mais c'est de bon augure. C'est sûr, ouais. L'extérieur de la CFA, il y en a qui se disent qu'ils pouvaient encore y revenir plus vite que prévu. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien ce match. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Oui, bah oui, bah oui. Bah bien sûr. Bah bien sûr. Aïe, 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 aïe. La bonne blague. Ouais, on adore, ouais. Ouais. Marseille avec de la chance, défaite imméritée, enfin. Je sens que ça va pas tarder à s'arrêter pour ce soir, les gars. On va faire un dernier match contre Bilbao là. Et on va arrêter après. Ouais, bonne nuit Mewtwo, bonne nuit, je te rassure. Moi aussi, je vais pas tarder. Non, non, je vais me. Faut que je coupe aussi, Burten, j'ai une vie. Ah, hein. Oh, mais j'y crois, Joss. J'y crois. T'inquiète, non, non, y a pas de souci. Mais c'est juste là. C'est aussi l'heure de fin de live bientôt. Comme d'hab. Hein. Donc. Ce soir, il y a eu pas mal de choses avec la Coupe du Monde PCM. J'ai commencé tôt et tout ça, donc c'est pour ça. Il faut aussi penser à se reposer un peu. Donc on va faire Bilbao, les gars. Vous inquiétez pas, on va faire Bilbao. Et après, on se mettra en pause tranquillou. Voilà. Mais avec Dijon, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il y a des streamers qui ont une vie. On peut bet 1000. Non, tu betteras pas 1000, Burten. Non. Tu betteras rien du tout. Si tu continues. Dans ta partie, Marezic. Ouais, bah je l'avais fait signer. Je l'avais signé à l'OM, Risto. Marezic. Je l'avais signé. Ça a donné quoi, Styros? J'ai terminé. J'ai gagné l'étape de l'Alpe d'Huez. J'ai fait 4 sur la première, 5 sur la deuxième. Gagné l'Alpe d'Huez. J'ai fait deuxième à la montagne. J'ai fini troisième au général. Et j'ai un autre coureur dixième. Mais au final, au classement de la poule, ben bizarrement, je finis quatrième de la poule.
Je sais pas, je pensais au moins troisième, tu vois, sur le nombre de points. Mais c'est super serré, t'as genre 140, 130, 120, 100, 115, tu vois, quelque chose comme ça au niveau des points. J'ai plus exactement les points en tête, mais c'est très très proche. Et non, bah j'ai fait un bon truc, une belle soirée, je trouvais, mais au niveau des points, c'est pas passé. Voilà. Donc je vais te montrer ma Rezic. Et toi, du coup, Styros, t'as fait quoi? T'es passé, ça a donné quoi le groupe? Donc Maresic, je l'avais fait signer à l'OM. Voilà. Et il est très chaud. Mais bon, je sais pas pourquoi ils le mettent en CFA, ça m'énerve ça, mais bon, c'est pas grave. Et Cuisance, normalement, c'est toujours très chaud. Bah, pour l'instant, il est toujours en réserve à Mönchengladbach, mais normalement, c'est pas mal. Il te reste les secondes chances. Ouais, bien sûr. Bien sûr, mais bon. Non, mais je suis satisfait de la. Plus la poule, elle était chaude, franchement. Je sais pas si t'as vu la poule que j'avais, mais je pense que c'était du high level, tu vois. Et toi, du coup, ça a donné quoi, Styros? Ton classement? Mais non, je pensais au moins faire une. À un moment donné, enfin, avant, en attendant les résultats, je me suis même dit peut-être que je suis deuxième, tu vois. Et enfin, je pensais au moins une troisième place. Et quand j'ai vu que j'étais quatrième, je sais pas, j'étais un peu deg. Deuxième, hein, sur les étapes, je fais 2, 4, 2. Je gagne les sprints. Troisième montagne et deuxième général. J'ai fait 181, je crois. Mais on n'était que 5 à jouer. Ok, Styros, ok. Ça marche. Oh bah nice. Moi je suis content, j'ai gagné l'Alpe d'Huez avec Pinot, tu vois, pour le clin d'œil, c'est toujours sympa. Ça aurait été au moins ça dans la soirée. Allô. Escobar. Ottawa. En plus, vu le groupe que t'avais. Ouais, bah t'as vu, le groupe il était hardcore. Hein. Il était assez chaud, donc c'est normal. Mais je suis content parce que je suis toujours resté avec bah, les meilleurs. J'ai jamais été décroché ou. Enfin voilà. Ça s'est joué, on arrivait à chaque fois, on était 5 sur la même ligne pour les sprints des 3 étapes, quasiment. Sauf l'Alpe d'Huez où il y avait des légers écarts un petit peu plus. Mais vraiment, les 2 premières étapes, on était 5, les 5 leaders à sprinter sur la même ligne. Et ça se jouait, tu sais, au boyau près, quoi. C'était tendu. Donc non, très très satisfait de là. Du résultat de la soirée, pour moi en tout cas. Hop, le 6. Bushila. Ouais. Non, Bushila, il va aller là. On va faire ça. Du coup, les paris, on est à domicile face à Bilbao, les gars. Vous allez avoir une seule minute, vu que j'ai déjà fait l'équipe. 50 pesos. Alors, le 1, c'est Bilbao. Non, le 1, c'est Dijon. Le 2, c'est Bilbao. Et le 0, c'est match nul. C'est parti. Allez. Je vais lancer le game. Je
va essayer de plus tempo. Ok, ils ont pas kiffé la causerie là. Let's go. Ça marche, Styros, ça marche. Et merci d'être passé faire un petit coucou. Bon courage pour la suite également. On aura certainement l'occasion de se recroiser sur cette Coupe du Monde. C'est gentil, bonne chance, merci à toi aussi. Et on verra, on verra. On verra. T'inquiète. On y travaille en tout cas, on y travaille. Ouh, c'était chaud là. Et ouverture du score, l'Ottawa, voilà. C'est ça. Et 2-0, beau Chilia, c'est ça. C'est ça. C'est bien fait pour toi, Burten. C'est bien fait pour toi. À force de parler mal, le karma est là. Papy, tu veux te faire de l'argent? Tu paries l'inverse de Burten à l'avenir. Tu verras. Parce qu'il a un mauvais karma en ce moment, Burten. Et je pense que le jeu va se retourner contre lui. Donc, mise l'inverse. Mise l'inverse, papy. Mise l'inverse, bordel. C'est ça. 3-0. Vamos. 125 minutes. Putain, et on perd des matchs contre l'Ajaccio, quoi. Incroyable. C'est moi ou ton jeu lag? Je regarde, je regarde. Je pense que c'est peut-être toi. Des fois, ça arrive que j'ai des pertes de FPS. Mais ça peut aussi être du côté de Twitch. Et quatro! Quatro! C'est ça, les gars. T'es meilleur en Paris IRL. Eh ouais, Burten. Eh ouais. T'enfiles les buts. Eh ben oui, papy. Et quoi, tu le dis toi-même. C'est une honte ce jeu qui me fasse perdre contre Ajaccio. On se fout de la gueule de qui là contre Ajaccio? Avec tout le respect que j'ai pour les Corses, faut pas déconner quand même. On gagne plus un pesos. J'ai l'impression que ça reste fixe. Si, normalement, tu gagnes toujours un pesos par minute. Faudra que je vérifie. Mais normalement, si. Après, c'est peut-être de mon côté où ça déconne. Ça peut. Hein. Enfin, du côté de Streamlabs, je veux dire. Des fois, Streamlabs est en PLS aussi. Donc, ça arrive. Que ça reste fixe par moment. Mais sinon, ça doit bien marcher. Zéro pesos depuis hier. Les compteurs sont bloqués. Les compteurs sont bloqués. Les compteurs sont bloqués. Et avant, ça avait remarché. Ok, faudra que je check ça. Pas de pesos depuis 1 heure. Mais ça fait depuis quand? Depuis 1 heure? Depuis un jour? Ça fait combien? Depuis combien de temps vous avez remarqué ça? T'as un gagné 0 à la fin, je perds 5-4. Ouais, je sais, papy, je sais. Je sais, tout est possible.
Tout est possible dans FM. Bah là, vous avez vu, les deux équipes, c'est full réussite, hein. Ils ont fait un tir, un but. J'ai fait, enfin, cadré, je parle, hein, à chaque fois. Et j'ai fait 5 tirs cadrés, 5 buts. Pour moi, depuis le dernier bet. Ok, papy. Non, alors, Seto, t'essayes de m'arnaquer, toi, Seto. J'ai compris, ça marche. Tu me la fais pas à l'envers, Seto. Aïe, aïe, aïe. Inaki. Deux tirs cadrés, deux buts magnifiques. Et ouais, c'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est full réussite. Y a-t-il un gardien qui souhaiterait rentrer sur le terrain? Parce qu'on là, on est en mode golf volant, les gars. Allez. J'ai regardé hier aussi. Il faudrait que je vais. Bah, on faut qu'on surveille, c'est tôt. On surveille. Faut que je surveille. D'où ça vient. Faudra que je check. Mais ça peut très bien venir être un souci du côté de Streamlabs, hein, ça arrive par moment. Toi, ça fonctionne, Pierre? Ah bah, essayez de faire un F5, les gars, ou je sais pas. C'est bizarre que pour certains ça fonctionne et d'autres ça fonctionne pas. Pas normal ça. Par contre, c'est soit ça marche pour tout le monde, soit ça marche pour personne. Allez, connecte-nous. Vamos. Aïe aïe aïe, dommage. Après F5, c'est figé. Ok. Chelou, chelou, chelou. Soit j'essaierai de regarder, hein, les gars. On verra, hein, si je retrouve les trucs. Et merci Jean Paris, Saint Jean Paris, merci pour le follow. Merci pour ton soutien. Bienvenue parmi nous. On va te sortir, mon ami. Escobar aussi, il a un jaune. T'as lâché des pépites? T'as lâché les pépites? Non, c'est... Non. C'est qu'en fait, j'avais une liste de prêtes sur... avant. Parce que le jour où j'ai lancé le PC et qu'il a crashé, je l'avais lancé pour publier une liste de pépites qui était prête et du coup j'ai perdu cette liste, il faut que je la refasse et ça m'a un peu coupé dans l'élan. Mais non, j'ai pas lâché, on va terminer la liste par poste comme je l'avais commencé à le faire. Donc on en était au niveau des milieux de terrain, donc je la terminerai bien sûr. Et ensuite on verra en fin de saison ce qu'on peut faire comme petite surprise avec les pépites. Mais c'est juste en stand-by.
mais forcé à cause du crash du disque dur. Et yo, Saizo, yo, t'as vu Marseille? Et oui, bien sûr, j'ai vu Marseille. Belle qualification. Rien à dire. Magnifique. Et Konechny, il en est où là? Il est pas un petit triplé le Konechny? À trick, c'est ça. 6-2 Bilbao. En fait, la poule, elle était abordable. Non, c'est bien parce qu'il reste encore les deux matchs contre Braga, mais je vois que Braga, ils sont imposés contre Fener. Bah, tché. Mais non, non, je terminerai, hein, Dot. T'inquiète. Ça va être terminé. Faut juste que je reprenne l'élan. Ça m'avait un peu tout stoppé. Et là, en ce moment, avec la World Cup. Parce que quand je fais une liste de pépites, ça me prend pour 11 noms. Enfin, 12 noms, plutôt. Pour 12 noms, je mets à peu près 2 heures, tu vois. 2 heures pour la choisir. Parce que j'analyse vraiment chaque joueur que je vais sélectionner. Et comme il y a plusieurs personnes, bah, il y en a beaucoup des joueurs, il faut que je prenne le temps d'étudier tous ceux qui sont dans le réservoir pour extraire les 12 meilleurs. Tu en es où à l'Europa? C'est le deuxième match de poule. Deuxième match, Saizo. Deuxième match de poule. Premier match, on a gagné à Fenerbahçe. Et là, on gagne 6-2 à domicile face à Bilbao. Donc, c'est nickel. Et on remplit un peu les caisses du club. Ça fait du bien. Donc, au niveau de l'Europa, on est premier. Voilà. En championnat, c'est plus compliqué. Puisqu'on a des. En fait, ce qui est un truc ce qui est hallucinant, c'est qu'on va s'imposer à Monaco, mais on va perdre à Ajaccio, tu vois. Marseille, on a fini à 10, donc ça explique aussi l'ampleur du résultat. Mais voilà. Tu te dis, tu veux gagner à Monaco, t'es au top et tout, et après tu perds à Ajaccio, donc en gros, tous les bénéfices que tu avais engrangé en t'imposant à Monaco, tu les perds en ne battant pas Ajaccio. Et merci, merci Saezo, merci. Allez, vous êtes des chanceux les amis, on va terminer face à Lille. On se fait encore un game. Vous voyez, je suis gentil quand même. Je rajoute un petit game. Histoire de. Parce que c'est le dernier match avant la trêve internationale, donc autant le faire tout de suite. Comme ça, la prochaine fois, on repart, on aura la trêve pour se chauffer, pour se dire bonjour et débriefer la soirée de foot qui aura eu lieu en amont. Voilà. Et j'aimerais bien terminer par une victoire en championnat. L'objectif actuellement des dirigeants, c'est la première moitié de tableau, donc pour l'instant. Pas trop de soucis à se faire, mais si on pouvait terminer cinquième, ça m'arrangerait. Et Nice-Monaco, match nul, ok. Monaco en galère. En galère, bah, de toute façon, l'année dernière, ils avaient été en galère, puisque Yardim s'était fait licencier. Il a rebondi à l'OM, d'ailleurs. Et cette année, c'est toujours difficile. L'OM qui s'impose à Angers, qui prend les commandes de cette Ligue 1. Devant le PSG. Et Guingamp, 3e, Bordeaux, Monaco. Ok. Donc 8, 11, ouais. Ça serait une bonne idée de s'imposer. Ce serait une bonne idée. Boateng demande la fin de son prêt. Ah ouais, c'est vrai, parce qu'il joue pas assez. Non. Pour l'instant, tu restes. Bah ouais, mais toi, je compte pas sur toi, hein. Je compte pas sur toi. Voilà. On va essayer de le revendre en hiver, notre ami Slitty.
Allez, on reçoit Lille. Yamberé. Oh, elle 20e. 20e. Ah ouais. Mais ils sont en galère, Dot. Bah là, tu vois, 14e, hein, pour l'instant. C'est toujours en galère. On va mettre lui. Ok, Boy Tank, à toi de nous faire rêver, mon ami. Mangala. Non, alors on va mettre Daka. Allez, Zinho. Ok. Matejulu, Lotoa. Mangala, Boshilia. Moiskin. Let's go. On est parti. J'ai payé au fait. J'ai payé ou pas payé les paris là? J'avais pas payé les paris. Eh ben on va payer. Il n'y avait pas eu beaucoup de paris d'ailleurs, tiens. Ça va pas payer là. Ok. Ah bah oh, il a gagné 30 pesos. Cadeau, ça a été payé deux fois vu que ça a bugué. Cadeau. J'avais pas vu le stand dessous là, il s'était c'était caché. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, c'est bon, cette fois-ci, on peut y aller. Ça va les gars? Vous tenez le coup pour le dernier match? Vamos. Bon, au final, le roi, il fait pas un si mauvais intérim que ça à la place de Baptiste René, hein, les amis. Ça va. Ça aurait pu être pire. Allez, Changboom. Résigno, pouh, Résigno. Résigno, il était chaud là. Il a voulu tout de suite déstabiliser notre ami Maignan avec une frappe de loin. Allez. Faut la victoire là. Ouf. Ah, c'est magique, c'est magique.
Allez, Dakar a fait quelque chose, c'est pas possible ça. Pas très prolifique hein, pour l'instant, Dakar. Ça se passe pas terrible pour lui. Bah oui. C'est usant, c'est très 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 usant. Très usant. Et salut Vodka, salut salut, comment ça va Vodka? Bah écoute, comment te dire? Pas trop compréhensible. De très beaux résultats contre de grosses équipes et des résultats de merde contre des faibles. Donc je comprends pas trop. Un peu comme d'habitude, hein. Mais bon. Donc mitigé, on est à peu près en milieu de tableau en championnat. On est premier de la poule en Ligue des... en Europa League puisqu'on a fait deux matchs de victoire. Gagné à la Fenerbahçe et gagné à domicile face à Bilbao. Donc ouais, très très bizarre ce début de saison. Ah là là. Let's go. Très bizarre. Victoire à Fener, ouais, victoire à Fener. Victoire à domicile contre l'Athletic Bilbao, 6-2. 6-2 contre Bilbao. Gagné 2-1 à Monaco. Et on perd 1-0 à Ajaccio. On est en train de perdre 1-0 chez nous contre Lille. 18e. Ajaccio était 20e. Lille 18e. Mais non. Non, non, très 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 bizarre. Franchement, truc de fou. Jamais rien qui rentre, c'est un truc de... c'est incroyable.
Pas une occasion, tu peux être à 2 mètres, tu peux être n'importe comment, face à face. J'ai une enquête à suivre hein, dans l'équipe de demain. Ouais, mais je sais pas, franchement, c'est un petit peu abusé, je trouve, le phénomène dans ce FM, je sais pas. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Franchement, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Donc quand c'est comme ça, eh ben, il faut mieux arrêter, je pense, pour ce soir. De toute façon, c'était prévu, hein, après ce match, je vous l'avais dit. Mais... Ouais. C'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Ah.